Déclaration des femmes de l'IFCPM. Les femmes de l'IFCPM engagées à œuvrer pour la paix durable au Mali se sont réunies pour organiser une journée de don de sang accompagnée d'un meeting de soutien aux forces de défense et de sécurité de notre pays. Elles rendent un vibrant hommage à nos braves soldats qui, depuis plus de 10 ans, se battent contre les forces du mal en laissant derrière eux femmes, enfants, pères et mères, en bravant les attaques de toutes sortes de dangers, souvent au prix de leur vie. Tous ces sacrifices dont le but est de redonner à notre peuple sa souveraineté, sa liberté, sa dignité et son honneur ne seront pas vains car les Maliens ont toujours su gérer leurs différends avec nos valeurs socioculturelles qui appellent au rôle des légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses, au rôle des femmes, à l'hospitalité légendaire, au cousinage à plaisanterie et j'en passe. Elle salue le courage et la bravoure des dirigeants de la Confédération des États du Sahel, qui sont les excellences colonel Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré et général Abderrahmane Tchani, qui se sont engagés dans un combat commun contre l'impérialisme, l'obscurantisme et le néocolonialisme. Ces dirigeants ont réuni leurs efforts pour défendre nos résilients et braves populations avec nos vaillantes armées et dire non à l'exploitation anarchique, incontrôlée et illégale des richesses de nos pays qui constituent les vrais enjeux géopolitiques et géostratégiques de ces guerres. Ainsi, les femmes de l'UFCPM, unies pour la patrie, sont résolument engagées à soutenir nos vaillantes armées et nos autorités de la Confédération dans leur combat au quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes sont venues nombreuses, accompagnées de leurs fils et filles, donner leur sang pour secourir nos blessés. Nous allons, à partir de ce jour, mettre en place un mouvement dénommé Mères et Fils pour vous soutenir à tout moment jusqu'à la victoire finale. Nous voulons un pays libre, débarrassé des forces occultes, des pilleurs de ressources minières, libéré du néocolonialisme, où nos peuples pourront vivre en paix et nos enfants mis au travail pour qu'ils aient le choix de ne plus mourir dans l'océan à la recherche d'un mirage qu'ils n'atteindront jamais. Les femmes de l'UFCPM supplient tous les Maliens et Maliennes d'être ensemble pour former une union sacrée autour de notre bien commun et soutenir nos autorités et nos femmes, car personne ne viendra redresser le Mali à la place des Maliens. Unis, nous vaincrons. Je vous remercie. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.